Whoop, j'ai entendu un double Roger Beep en QRP. Whoop. Hop, et puis ça résonne sur le web SDR avec les 73-51, toi Gilles. Alors comment vas-tu? Putain, mais de mon côté là, au niveau de la propague, c'est pas ça. Oh, beaucoup d'Italie, d'Alpha Tango. Si, j'ai entendu un petit peu à un moment donné le Brésil, mais ça reste beaucoup sur la moitié sud, on dirait. Et là, tu vois, là, je t'entends là juste qu'à l'instant, c'est tout, hein. Merci, tout ça, nouveau retourné. Bon, pour tes vidéos, c'est partagé partout, hein. C'est fait. Du coup, ben, comme tu as vu, j'ai coupé en deux. La grosse qu'il y avait, j'ai attrapé le sécateur, j'ai mis un coup dedans. Allez, un morceau d'un côté, un morceau de l'autre. Hachi! Autrement, oui, je vois de quoi tu parles. J'ai effectivement filtré, hein. J'avais carte blanche à ce niveau-là, j'ai filtré quelques trucs. Hachi! On en a discuté en message perso. J'en dirai pas plus là-dessus. J'ai un retour dans le haut-parleur. Mais oui, je suis étonné parce que là, je vois l'heure, ben voilà, 16h ici, là, 16h pile. Je vois, ça vient de passer, là. Alors, attends, comment il est mon réveil, hein, que j'ai là. Ouais, allez, on va dire que c'est bon, on va pas chipoter pour 30 secondes. Sur l'ordinateur, ouais, je vois ça, là, 16h pile. C'est vrai que c'est tard. Oui, tout à fait, c'est exactement ça, ouais. Oui. Va falloir que je fasse ça sur l'alimentation du filtre DSP. Bon, là, c'est traduit avec Google. Oui, c'est marqué dessus. Alors, d'après le schéma, eh bien, le plus, là, il est de ce côté-ci. Donc là, on voit le sens de la diode. Et hop là, pardon. Je dis pardon à la caméra. Et là, la prise à droite. Voilà, gros plan sur la référence de la diode. C'est entendu deux fois, c'est la TRU. C'est entendu
deux fois, mais j'avais les deux mains pleines. Je suis désolé de ne pas avoir répondu. Je me suis dit, Jean-Noël, je le contacte à tous les jours. Toutes les parties pour renouveler Jean-Noël de notre Trois-Rouges-Charlie 555 et de l'ensemble du groupe des talents. Non, non. Non, c'est bon. Parce que je m'appelle Jean-Noël. Ok, ok, mais c'est facile à comprendre, il y en a trop. Il est super bien réglé. Bon, on va pas le déranger plus. Quand tout le monde arrive en même temps, c'est vrai que c'est pas évident. Ouais, c'est bon, ça prend quelque chose derrière un petit backup, là. Un petit backup, une petite fille. Ah non, t'as dû confondre. Justement, je restais en pointillé exprès, gros. Hachi. Ouais, je disais que ton réglage, là, il est super bon, hein. C'est à peine si on entend l'écho. Bon, je suis assez loin évidemment, mais non, te touche pas au réglage, hein. il est super là ton réglage. Et les 73-51 à 14 kilomètres, j'ai oublié, que j'entends pas d'ailleurs, sauf un petit peu là sur le web SDR, de 14 kilomètres 33-01. Je te mémoire de poisson rouge. Ouais, il y a beaucoup de QRM sur les web SDR, là au Québec. La vache. Ok Roger, merci. Je vois BSDR Ottawa. Ouf, c'est dégueulasse de partout. Suède Montréal, ben c'est guère mieux. Ouf. Ils sont pas gâtés là côté QRM. Je vais voir la température. Degrés, temps gris, ils annoncent de la pluie de toute façon, mais elle n'est pas encore là.
avec lui. Éric, lui, Éric, qui t'a fait contact sur la note, était pour quel théâtre, pardon? Ça a baissé hein, au niveau QRM, hein. Toutes les web SDR. Ouais, bien sûr, il n'y a pas de souci. Est-ce que ce jour, tu me connaissais? Ouais, quoique, faut le dire vite. Hein. Non, c'est encore bien dégueulasse. Aïe, aïe, aïe. Ok, d'accord. Ah, je suis pas du tout chat via chat sur internet, un truc comme ça, comme là sur Zello. Mais par contre, ça va me permettre d'inviter quelqu'un là sur la fréquence. Ouais, salut Flo Flo, si tu es derrière, on est en ce moment là en fréquence avec le Québec sur le 27-625. Bah, il commence, voilà, la propague vient d'arriver et il commence à y avoir du monde. Attends, que je te fasse écouter un petit peu. Voilà, là tu as eu la preuve en direct que c'est bien le Québec. On est bien sur le 27-625, voilà, canal 18 sup. Et voilà, c'est envoyé. Ça arrive de partout. Alors dans la vidéo d'hier, il dit qu'à un moment donné, il devait QRT. Résultat, pour aller chercher, pour aller faire le plein de la voiture. Et aussitôt après mon passage, tout le monde est arrivé d'un coup. Une quinzaine de QSO là pour le coup de feu dans la foulée. Quoi. Quand la pêche est là, il faut pas s'en priver. Quand la pêche est bonne, il faut pas s'en priver. Je vais te dire,
Affirmatif, je suis toujours derrière. Et alors j'ai une oreille sur le poste. Là, il y a que j'entends que ta grande gueule, que ta gueule de talent. Ah, je suis trois coups. Et les autres stations, ben, je les entends arriver doucement, mais bon, je comprends pas tout via les web SDR. Aujourd'hui, là, sur les web SDR, là, sur le Québec-Canada, c'est assez dégueulasse. Il y a pas mal de QRM dessus, donc c'est un petit peu compliqué, mais bon, je sais quand il y a du monde derrière. C'est déjà ça qui est, c'est déjà pas mal. Ok, alors justement, bon, je l'entends pas, mais je sais que là, j'ai invité une station à venir nous rejoindre, une station là du département 17. Alors il s'appelle, je l'ai eu là sur le canal Zélo, Hachi trois coups, et je l'ai invité à venir sur la fréquence. Alors c'est Flo Flo, je sais plus c'est 14 PAT, je sais plus combien, Flo Flo du département 17 de la Charente. Donc je sais pas si s'il est arrivé derrière, bon, on verra bien. De toute façon, bon, il lancera un appel quand il sera là, bien entendu. Et on lui fera l'accueil qu'il mérite. Hachi. Putain, mais ça passe bien chez lui. Ou c'est QRP là. Hey, je t'ai entendu sur le WebSDR. Ça se bouscule derrière. Le phare de départ, 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 le phare de départ
Cette cacophonie. Alors, je vais faire un truc. Ouais, là, c'est bof. Ah, là... Au niveau de à l'échelle de la planète, je pensais que le printemps pointerait son nez beaucoup plus tardivement que ça là chez eux. Là pour le coup c'est comme chez nous presque. Enfin, avec une grosse différence de hauteur de neige. Oh la vache, faut pouvoir suivre là. Et tout ça à la main, bien.
le plomb, je suis sur la frontière franco-belge. Louis, tu es toi tout de suite, et même aussi. Claude, sur la frontière franco-belge. Avec Pierre Claude, je retourne au micro, mon ami. Alors, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube, là, Gilles. Alors, ça s'appelle 9 Bravo Charlie 555, espace Gilles. Voilà, il a de super vidéos. C'est, on voit comment c'est de notre côté, mais du sien, c'est pas mal aussi. Et en plus, vous aurez l'occasion, en regardant ses vidéos, d'être dans son salon. Ouais, si, c'est vrai en plus. Vous êtes assis dans son salon devant la télé. Et vous regardez ses vidéos à la télé. Il passe partout, lui. Par tous les trous. T'es pas multitâche, Gilles. À la vôtre. Et un cappuccino, un. Ah, il est 80, il est, ouais, 85, 16h25. Des petits figolus au passage. C'est bon ces conneries.
de ciel gris avec le soleil pétillant. On dirait un soleil ici, mais c'est quand même un soleil de printemps. La France des neiges ici cette semaine, on va avoir une journée dans le négatif. Le reste de la semaine dans le plus ici. Les amis, que la propagande est si bonne, je ne veux pas réveiller notre ami à FCX 222 depuis une dernière à plusieurs reprises. Je vais la passer sur Louis. Ah, il est où? Il est là. Voilà. Pour les jours à venir. Alors je sais pas, si. Si, c'est bien au QRA. Là ils sont peut-être un petit peu trompés là sur la température. Je l'entends pas du tout. Bon, en tout cas, eh oui, ça manque d'eau chez nous. On est en sécheresse hivernale. Du jamais vu, quoi. Non, mais là, ils exagèrent. C'est pas ça qu'il y a, il y a plus que ça, quoi. Et combien j'ai dit tout à l'heure, 13? Je sais plus, je crois que c'est ça, ouais. Non, 12 degrés. Et l'application dessus, c'est pas n'importe laquelle, c'est celle de France Télécom. N'importe quoi. Ah, fait que je la fasse, cette connerie, quoi, cette bourde. C'est celle de Météo France. Wow. Il y a encore quelqu'un? Oups là. Il y a pas de soucis, Louis, on n'oublie pas dans les murs, on n'oublie pas, retourner la partie, et c'est encore un voir que la propagation soit plus favorable de notre côté. Merci, Louis. Alors j'imagine qu'il doit être sur directive. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Ben je sais pas, parce que je l'entends nulle part. Attention pour Emile, attention pour Emile. Commande, Papal, 72010, Emile. J'ai le retour de gîte dans le web SDR. J'entends plus personne de mon côté, hein. Ouais, c'est bizarre, on est trop occupé, c'est pas entendu, Merde. Encore aujourd'hui, en écoutant ces vidéos, il répond à des stations, mais même en écoutant la vidéo, j'arrive pas à les entendre. Et pourtant, les stations sont là. Il doit être magicien, c'est pas possible. Télépathe. Oui. Il doit avoir le. Il doit être télépathe sur le 27 mégas.
Je vais bien, tout va bien. Tout à l'heure, j'ai parlé de Flo Flo, là, sur Zello. Allez, il me perturbe. C'est Florian, 14, PAT, 580. Sous le coude. J'ai deux voies BSD en route en même temps là. Avec un L, Jules avec un L à la fin.
Là, tu l'as perdu. Gilles, ben, au plus simple. Ok, ça fait un écho là sur le web SDR. Alors l'écho qu'on a entendu là sur le web SDR, ben, c'est normal. J'ai deux web SDR de QTH différents en route en même temps. Alors j'ai divisé un peu j'ai mis un écart de volume entre les deux, mais bon c'est pas suffisant apparemment. Voilà, j'ai agrandi l'écart entre les deux WebSDR au niveau volume. Merci. Wow. J'entends ça aussi. Vu que j'ai les oreilles grandes ouvertes de partout, c'est la cacophonie totale. La cacophonie totale. Et moi qu'en rajoute en plus en prenant le micro. Hachi. Aïe, 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 aïe. Ah,
Ouais, c'est comme tu dis, oui. On voit dehors les S Angel. Ça va leur faire bizarre. Wow. Une voix synthétisée comme ça, voix logicielle. André. Ah, lui, il doit fonctionner sur une largeur de bande très étroite. C'est pas forcément un avantage. Il n'y a qu'en étant vraiment pile-pile sur la fréquence qu'on arrive à l'entendre correctement. Vous avez vu comment ça fait? Il est trop étroit en largeur de bande. Alors c'est là que je suis sur un poste comme ça. Mais sur un poste mobile, c'est pas gagné. Tu comptes, c'est là qu'il est mieux.
On n'a pas le gros, le microphone du côté de fil. Ça, le micro, j'ai une 55. Ouais. Du coup, je me rends compte, c'est de ce côté-là qu'on entend mieux. Il y a des stations qui lancent des appels, qui lancent des appels, même si on leur dit de rester stand-by, ça lance des appels, ça lance des appels. Et tout ce qui est fait, ça nous fait répéter, ça nous fait recommencer les émissions. Alors, ça fait des doublés, des doublés. Lâche-toi, Gilles. Esprime-toi, Gilles. Alors, quand on veut signaler, et puis, si un signe est tout en ligne, là, on prend notre patience à deux mains, et puis, on va finir par trouver un portable. Des fois, il y en a qui ont du mal à le comprendre, André. Fais travailler la psychologie. C'est des gens qui ont pas beaucoup d'expérience, ils se sont inventés une façon d'introduire ou d'attirer l'attention, mais c'est pas la bonne façon. Je les invite à écouter ce qu'on a d'expérience d'un côté comme de l'autre, de la pratique, mais c'est des statistiques. Bon, je vais retourner un minard dans mon objectif, je reviens tantôt. À toi, Gilles. Bon. Ça met un bon écart pour pas moustacher. Bravo les OM. D'autres se seraient installés sur 620 ou 630. Pensant ne pas moustacher. Comme des fois on envoie, il lance appel sur 555. Et ils se mettent sur 650 ou 660. Et résultat. Ben, sa moustache. D'un autre côté, on sait qu'ils sont là. C'est remonté d'un coup. Vous voyez, quand on croit que c'est mort au niveau de la propague, eh bien c'est... Comment on dit déjà? Zut.
Quand le loup de... Non, je ne sais plus. Alpha 58, 57, 58, la vache. Et l'autre, One Four, donc francophone, et l'on s'appelle en anglais. Qu'est-ce qu'il n'a pas compris la langue française? Je plaisante. Moi aussi, ça me chatouille, ça me gratouille. Et quand je vois les températures le matin, j'ai moins envie. Je voulais dire pour aller au boulot. Parce que je ne sais pas combien coûte le carburant au Québec, mais ici en France, c'est devenu un produit de luxe. Dommage. Me faire saturer le haut-parleur. Ça serait pas un tannant s'il ne le faisait pas. Oui, qui est celle, la Martinique est derrière, je crois. Il y avait une finale, je crois, tout à l'heure, sur la paroi Pascal. On entend un tout petit peu là. Là, c'est vraiment QRP. Ah, il a un haut turbine derrière. Appels de ton côté.
Je l'entends plus. Ah, je crois qu'il m'entend plus non plus. Trop de monde de ce côté. À découvrir dans sa prochaine vidéo. C'est-à-dire bah demain. Eh oui, il y a 6 heures de décalage. Hein. 6 heures de décalage entre le Québec et nous. Le temps que les vidéos soient travaillées, ça m'est vite fait un jour de décalage. Tiens, ça recommence comme tout à l'heure. Voilà le bordel qu'il a de ce côté. À quelque chose près. Dans les deux WebSDR, il y en a un qui est à l'ouest de Ottawa. Bon là, c'est plus trop le même coin. Et l'autre qui est au nord-ouest de Montréal. Montréal-Laval. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah! Voilà.
Et là, qui ont été s'installer juste à côté. Allez, ça refait comme tout à l'heure. Bon allez, je crois que là, côté vidéo, je vais arrêter là. De toute façon, pour ma part, je reste quand même dans le QSO, bien entendu. Vous en voulez plus? Venez sur la fréquence. Et 73-51 à tous, 14 km 33-01, Rémi, Dandy 33 sur le département de Gironde. Et si vous voulez manger du Québec, venez ici. C'est servi tout chaud. Non, vu la neige, tout froid. Pardon. Et, voilà, c'est en train de remonter. Ah, pour le coup, j'ai pas envie d'éteindre. Il est où? Il doit écouter quelqu'un. Oups là, 56. Là, tu m'as surpris, je m'y attendais pas. Ça s'est calmé ou c'est moi qui n'entends plus rien? Ah oui, c'est bien ça, ça s'est calmé un petit peu. T'as cette cacophonie là tout à l'heure. Aïe. Je peux te dire que je suis resté en pointillé derrière, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Non, putain. Ah, j'entends un siffleur. Ben, disons que quand ils ont quelqu'un de célèbre comme toi en face, forcément ça attire, hein, tout le monde arrive. Hein. Une célébrité comme toi, tout le monde arrive à tes pieds là pour le coup. Oups. Ouais. Oh oui, c'est sûr. Ah ben non, c'est ton double bip que je viens d'entendre. Hachi, d'Asile Web SDR. Oui, parce que là, ça doit bien faire 11-12 ans. Hein. Oh oui, quelque chose comme ça, hein, que tu es là sur la fréquence. Enfin, que les tanons sont là sur la fréquence. Oh oui, hein, c'est ça. Hein. Quelque chose comme 12 ans, hein, je pense. Ouais, il me semble que c'est ça. Hein. Ça veut dire qu'il n'a pas compris. Ouais, ok. Alors, remontez dans ces anciennes vidéos. Et arrête de faire pipi contre le mur. À chaque fois, on te le dit. C'est pas contre le mur qu'il faut faire pipi. C'est dans les toilettes. Hachi. Ok, bon, tiens, je vais faire une coupure vidéo. J'en ai assez là de mon côté, là, en stock, là, de la vidéo. Je vais me mettre au travail dessus, mais je reste en fréquence, il n'y a pas de problème. Ça, c'était le mot de la fin.
Bon, vous voyez, pendant que certains font un usage de la CBI purement dictature militaire, ils y croient très fort dans leur truc. Franchement, pour ma part, je vois pas trop l'intérêt. La vie est trop courte pour trop se prendre au sérieux. Donc, autant faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Et je croyais qu'il devait aller aux toilettes. Non, mais ça, c'est trop rapide, ça. Ouais, donc, on fait les choses sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Et quand même, ça marche nettement mieux comme ça, quoi. Allez, à bon entendeur, au prochain QSO.